Au moment où tous nous sommes réunis dans cette enceinte, où les yeux du monde sont rivés sur cet espace, nous croyons que honneur et respect sont dus au professeur, honneur et respect qu'il a gagné de son vivant, honneur et respect qu'il continue de gagner jusque dans sa mort. Et à nos côtés, très certainement, ce matin, il doit se dire, par ce que j'ai vécu, je m'en vais, le cœur léger. Mesdames et messieurs, avec beaucoup de regret, je dis adieu à celui que je considérais comme frère. Je ne serai pas long, tout juste pour dire adieu, messieurs. Et pour dire à bien l'homme, je continue à t'aimer comme les mères. Merci à vous. Madame Yolande Maniga, membre de la famille, membre et sympathisant du RDNP, représentant les trois pouvoirs, amis et alliés, vous tous ici présents pour rendre un ultime hommage au professeur Leslie Maniga. C'est avec beaucoup d'humilité et de respect que je me tiens devant la dépouille du professeur, président, leader, fondateur du RDNP, Leslie François Saint-Roch Maniga, pour réitérer mes plus sincères condoléances à sa veuve, Madame Mirlande Maniga, à ses filles, Sabine, Robert, Viviane, Marie-Monique et Béatrice, à la famille éplorée, aux amis et alliés, aux sympathisants du RDNP. À vous, Madame Maniga, sa compagne de route, je présente au nom du gouvernement et à mon nom propre, encore une fois, mes plus profondes sympathies pour avoir partagé la vie du professeur durant plus de 44 ans. L'an mort, professeur Maniga a quitté un grand vide en dedans classe politique. Là. Cher président, monsieur le professeur, je vous tire la révérence, chapeau bas, que la terre vous soit légère. Merci. Tu as été toi aussi victime du terrible chikungunya qui a achevé de le décimer en état déjà fragilisé. Leslie Maniga ne m'appartient pas, mais à tous. Et tous se sont manifestés. Est venu le moment fatidique de la séparation définitive. Tu es parti avant moi. Tu me taquinais souvent à ce sujet en me disant que tu diras à Saint-Pierre de me réserver une petite place auprès de toi au paradis. Lorsque viendra ce moment, on allongera mon corps près du tien, mais ces deux enveloppes charnelles ne se rejoindront pas. Mais nos âmes, si, elles se sont rencontrées, se sont aimées, ont travaillé ensemble, elles ont rêvé ensemble. Pour cette merveilleuse union, façonnée dans l'unité, le respect, la correspondance. Au moment de te quitter, au moment du dernier monologue et ceux ici présents, nous pardonnerons cette intimité, la dernière intimité que j'ai réservée avec toi, au moment donc de nous séparer définitivement. Je te dis
tout simplement. Adieu, mon amour. Et surtout, merci. Mettez ça sur les avant.